Bonjour à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Esprit Z, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo réaction et comme vous l'avez vu dans le titre, nous allons réagir à la bande-annonce, à la nouvelle bande-annonce, que dis-je, de Hotel Transylvanie 4, Changement Monstre, ou en anglais Transformania. Ah, putain de merde, que fut pas ma surprise quand j'ai découvert que le film sortirait uniquement sur Amazon Prime Video le 14 janvier 2022 et pas dans les salles de cinéma, oh putain ça me fait chier. J'aime vraiment pas mal la saga Hotel Transylvanie, pour moi le 3ème c'est le meilleur, ensuite vient le 1 et le 2 est vraiment pourri, mais voilà, j'espère que le fait que ce film débarque sur Amazon Prime Video et non au cinéma ne m'enlève pas un peu la hype que j'ai autour de ce film. Oh bah attendez, non, c'est déjà passé, voilà, c'est déjà arrivé, voilà, ma hype est redescendue le jour où j'ai su que ça allait sur Amazon Prime Video. Je sais pas, inconsciemment, je me suis dit, ah ouais, bah si ça se trouve, c'est pas d'aussi bonne qualité que je le pensais. Ah, quelle merde. Mais on va pas perdre espoir maintenant quand même, on ne l'a même pas encore vu le film, voilà, et du coup, ce film va retracer les aventures de Drac et sa bande qui sont de retour pour une quatrième aventure. Et cette fois-ci, eh bien, Johnny va se servir d'un rayon monstrificateur, une mystérieuse invention de Van Helsing, qui va se détraquer et va transformer les monstres en humains, tandis que Jonathan devient un monstre. Et sous les nouvelles apparences, Drac, privé de ses pouvoirs, et Jonathan, qui prend goût à sa vie de monstre, doivent unir leurs forces et sillonner la planète pour trouver un remède avant qu'il ne soit trop tard. Et surtout avant qu'ils ne deviennent fous à force de se côtoyer. Et donc, oui, c'est une véritable course contre la montre qui s'engage pour que chacun réintègre son corps d'origine avant que ses transformations ne deviennent complètement définitive. Allez, on va découvrir cette nouvelle bande-annonce de Hotel Transylvanie 4, lumière, moteur, ça tourne, et action. J'espère ne pas être déçu, c'est vrai que la première bande-annonce, même si elle m'avait un tout petit peu hypé, m'avait quand même fait un peu des frissons, genre, oulala, où ça va aller cette histoire? On dirait que c'est une histoire avec un scénario très mineur et très en dessous de ce qui a déjà été fait par la saga, donc, ouais, j'ai vraiment très peur. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, Jean-Claudette? Transition, souris... Depuis des siècles, aucun humain n'a eu le pouvoir de se transformer en monstre. Il a un squelette de dinosaure chez lui. C'est pas dangereux, bidule. Essayons pour le savoir. Yes. Est-ce que tout va bien par ici? Où est Drac? La pêche ou quoi? Oups. Qu'est-ce qui se passe? Van Helsing a utilisé le rayon monstrificateur. La paix. Drac, t'es un humain? Papa! Oh non, j'ai le look papa avec la brioche. Mais plutôt grand-père. Hein. Bon, qu'est-ce qui se passe? Hein? Tout va comme tu veux. Oh la vache. C'est quoi ça? Au secours, j'ai une calvitie. Et on peut savoir qui sont ces gens? C'est moi, oncle Griffin. Tu me reconnais pas? Comment te reconnaître? C'est la première fois que je te vois. Ah, elle est toujours là, Capitaine. Enfin, l'Amazonie où se cache. Van Helsing. Le seul moyen d'inverser la mutation. Allons-y. Je ne suis qu'un humain. Rip. Si on ne vous soigne pas rapidement, vous allez rester comme ça. Et être un humain, c'est horrible. Un moustique. Je suis là, Johnny, attends. Hôtel Transylvanie, changement monstre. Pastèque, c'était marrant. Le 14 janvier. Seulement sur Prime Video. Eh ouais, seulement sur Prime Video. Comment dire, je suis pas très enthousiaste. Non, c'est pas parce qu'il finit sur Amazon Prime Video, c'est juste que je sais pas. Je ne suis pas très enthousiasmé par le scénario. Ou du moins, pas très enthousiasmé par les blagues. Et je sais pas, j'arrive pas à être hypé, putain. C'est dommage, j'aime vraiment bien la saga Hotel Transylvanie. Et là, j'ai vraiment l'impression de m'en foutre. Et puis en vrai, ça fait mal, quoi. C'est certainement le dernier film de la saga Hotel Transylvanie. Et ça finit sur Amazon Prime Video, quoi. Putain, j'aurais bien voulu voir un volet de la saga au cinéma, au moins. Mais bon, c'est pas grave, hein. Va falloir s'y faire, malheureusement. C'est comme The Green Knight et Spencer. Va falloir se faire à l'idée qu'on les aura sur Amazon Prime Video et pas au cinéma, c'est comme ça. Non, donc, malheureusement, je ne suis pas spécialement attiré par Hotel Transylvanie 4. J'en ai rien à foutre, malheureusement. Enfin, si, j'en ai un peu quelque chose à foutre parce que je suis plutôt fan des trois premiers films. Alors, bien entendu, je vais attendre ce film à la mi-janvier, mais franchement, oh là là... C'est compliqué, c'est vraiment compliqué parce que j'arrive pas à me situer sur les images que je vois. Peut-être que le film sera bien. En vrai, il sera cool, c'est juste la bande-annonce et la promo de Sony Pictures Animation qui est vraiment nulle. Mais ouais, on verra ça hein, sur Amazon Prime Video. Et puis, espérons que Changement Monstre soit une bonne suite au troisième film qui était vraiment incroyable. Voilà, c'est la fin de cette vidéo réaction. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker cette vidéo. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les réseaux sociaux. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo réaction.
réaction, c'était Esprit Z coupé. Et toi, Sarah, qu'est-ce que t'en as pensé de Hotel Transylvanie 4 ? Food. Ouais, c'est vrai. Tu aimerais un peu plus de folie avec ce rayon monstrificateur. Ouais, c'est vrai. Merci Van Helsing d'être redevenu gentil à la fin du troisième film et merci de montrer que tu vas causer encore beaucoup pas mal d'emmerdes pour ce quatrième film. Voilà, et ils vont aller jusqu'en Colombie pour trouver la source du vaccin contre le monstrificateur. Incroyable. C'est certainement du Pfizer.